Écoutez, Monsieur le Président, l'industrie du taxi n'a jamais accepté que les taxes soient pas payées. L'industrie du taxi avait compris que le ministre exigerait que les arriérés de taxes soient payés avant même qu'ils s'assoient pour négocier, puis on se rend compte par nos questions aujourd'hui que c'est pas le cas. L'industrie du taxi avait accepté par compromis le 90 jours et pas de gaieté de cœur, Monsieur le Président. Mais jamais l'industrie du taxi était d'accord avec le lapin sorti du chapeau hier, parce que dans le fond, le compromis, la voie de passage, effectivement, c'est ce qui a été déposé au Salon Bleu. Mais en plus de ça, il y a eu un autre article 33 qui a été sorti hier, un lapin sorti du chapeau, qui là, est venu rajouter j'en viens pas, cet article 33-là, additionné à ce 57-là, c'est un cocktail indigeste, M. le Président. Ça donne mal au cœur. Le lapin sorti du chapeau, l'industrie n'en voulait pas. Une possibilité de donner le pouvoir discrétionnaire au ministre de créer deux catégories de taxis, jamais l'industrie a accepté d'avoir deux catégories de taxis. Puis c'est sûr que comment c'est écrit on a eu ça hier soir à 5h30, puis comment c'est écrit dans le libellé, il faut être pas mal des experts pour se rendre compte de qu'est-ce que ça peut changer, puis comment ça va. Parce qu'effectivement, il y a une certaine habileté d'écrire ça pour que ça soit un peu opaque. C'est drôle, ça me rappelle des affaires du ministère des Transports quand on parle d'opacité. C'est dommage que ça change pas. C'est dommage que ça change pas. J'ai l'impression que c'est encore la même petite clique qui est encore là puis qui décide tout. Moi, M. le Président, je trouve que ça n'a pas de bon sens. La loi existante qui est appliquée, je sais pas si le ministre, quand il dit ça, il rit de nous autres, puis il est en train de rire des chauffeurs de taxi, Il n'y en a pas d'application pour de vrai de la loi du taxi. Il n'y en a pas. Les saisies, ça se fait, après juste quelques jours, les autos y retournent, Uber paye. Puis Uber, c'est pas censé d'être des employés, c'est censé d'être des travailleurs autonomes. Jamais une entreprise paierait comme ça pour des travailleurs autonomes. Non, Uber paye la saisie, paye les avocats. Ah ouais, ils payent plus leurs avocats qu'ils payent leurs chauffeurs. Ça, je peux vous le garantir, Monsieur le Président. Fait que c'est pas vrai que la loi existante est appliquée. Si le ministre voulait vraiment appliquer la loi existante, il ferait une injonction, puis ça serait réglé, depuis longtemps. Puis il a refusé de faire une injonction, puis son prédécesseur a aussi refusé de faire une injonction. Puis pourquoi, Monsieur le Président? Parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de leur tête qui décide. C'est le premier ministre qui décide à la place du ministre. C'est ça qu'on est en train de comprendre. Même pas capable de faire appliquer sa loi. Puis là, il se donne des outils supplémentaires, puis il veut même pas l'appliquer tout de suite. Il dit non, je me donne des outils supplémentaires, mais surtout, je ne l'appliquerai pas tout de suite. Parce que s'il fallait que je déplaise à Uber, ça serait bien épouvantable. Mon premier ministre serait pas content après moi. Puis j'ai besoin d'avoir mon premier ministre content après moi. Fait que surtout, je ne le ferai pas appliquer tout de suite. On sait que le ministre est fragilisé. On a essayé de travailler en collaboration avec lui. Mais là, ça suffit, Monsieur le Président, Je veux dire, faut pas rire de nous autres, il faut pas rire du monde, il faut pas rire des chauffeurs de taxi, Ces gens-là ont été patients. Ça fait 2 ans qu'ils se font voler leur gagne-pain. Puis là, on nous dit, non, on ne l'appliquera pas tout de suite, les mesures, parce que la loi existante, on peut déjà l'appliquer. Et parlez-en à ceux, qui sont allés devant les tribunaux, qui sont allés à la Commission des transports du Québec. C'est assez bizarre, la Commission des transports du Québec, des fois, ça va bien vite, puis d'autres fois, ça va bien lent. Deux vitesses, deux catégories de chauffeurs. C'est ça qui s'en vient dans ce projet de loi-là, M. le Président. Moi, comme parlementaire, M. le Président, je me sens flouée. Je me sens flouée par tous les beaux discours qu'on nous a dit, mais ce qu'on a décrit, c'est pas ça. À un moment donné, on est ici à l'Assemblée nationale. On devrait être là, pour travailler pour le monde. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a du monde en face de nous, le ministre, qui est rendu à genoux devant une multinationale étrangère qui fait de la fraude fiscale. Vous commencez à être sur un terrain dangereux. Oui, bien, je suis juste sur le terrain. Je ne suis pas encore glissante, puis je ne suis pas rendu là, M. le Président. Je vais vous arrêter si vous dépassez ça. Oui, vous m'arrêterez. Je ne suis pas rendu là. Puis je comprends que vous n'avez pas le goût de l'entendre, vous non plus, M. le Président. Vous commencez à rentrer sur un terrain dangereux parce que j'essaie de faire mon travail correctement. Et je voudrais ici qu'on garde un certain décorum, y compris dans le langage, c'est tout. Oui. Mais ça ne vous empêche pas de dire ce que vous voulez. Je pense que j'ai un décorum bien correct, M. le Président. Allez-y. Et vous êtes bien chanceux parce que je me retiens pas mal.
Hein? Se retrouver après 2 ans de travail, 3 consultations, avec aucune volonté. On arrive ici, là, tout ce qu'on fait demander, c'est que les articles concernant les outils supplémentaires pour faire respecter la loi soient en vigueur dès maintenant. C'est ça qui était supposé au début, M. le Président. Premier compromis, on retarde de 90 jours. OK? Mais là, on se rend compte qu'on peut avoir 2 catégories de taxis. Pas de bon sens. Puis là, on se rend compte en plus que le ministre ne veut même pas faire appliquer sa loi en mettant en vigueur tout de suite les articles. Vous savez, M. le Président, nous avions déposé un projet de loi pour contrer le taxi illégal. D'ailleurs, un certain nombre de ce que nous avions proposé se retrouve dans le projet de loi. Mais là, on va laisser encore une multinationale qui s'en vient, étrangère, qui s'en vient bafouer nos lois ici, puis qui ne paye pas de taxes, qui va se cacher dans les paradis fiscaux. On dit, hey, open for business. N'importe quel genre de business. Moi, je veux bien des entreprises étrangères, mais pas des entreprises étrangères qui ne nous respectent pas, M. le Président. C'est quel message que ça envoie, ça? Ça envoie le message à tous les voyous de la planète. Là, vous êtes bienvenus chez nous. Voyons donc. Les gens sont bienvenus chez nous, mais qui respectent nos lois, qui payent leurs taxes, comme tout le monde. Il n'y a pas de raison de faire d'exception. Moi, j'en vois pas, M. le Président, d'une raison de faire d'exception. Mais là, on dit, vous ne payez pas vos taxes, pas grave, vous pouvez continuer. Il n'y en a pas de problème encore pour au moins 90 jours. Pendant ce temps-là, les chauffeurs de taxi perdent de l'argent. Les chauffeurs de taxi, là, n'ont pas des salaires mirobolants, là. Perdre de l'argent, là, ça coûte cher. Quand on a bien, bien de l'argent, t'en perds un peu, ça paraît pas trop. Mais quand t'arrives serré tout le temps, là, ça fait mal perdre de l'argent. Ils ont des familles à faire vivre, ces gens-là. Puis là, nous autres, là, on leur dit, on a le pouvoir, ici, ce soir, de faire en sorte que la loi soit appliquée à partir de samedi, dimanche, lundi. Puis on se dit non. On ne l'utilisera pas, ce pouvoir-là. On va laisser traîner ça encore, hein? Que je n'utiliserai pas les mots qui me viennent en tête. On va laisser encore pourrir la situation pendant 3 mois. Comme si déjà, ça sentait déjà assez pas bon. Non, on veut encore que ça sente encore moins bon. Je ne nous comprends pas comme parlementaire. Notre travail, c'est de faire appliquer les lois. Et là, on passe complètement à côté. Pourquoi on fait ça ici? C'est juste l'application pour respecter la dignité des gens. Puis on n'est pas capable de faire ça ici à l'Assemblée nationale. Il me semble que des fois, là, on devrait s'élever un peu au-dessus du lobbyisme. Ce serait le fun. On n'est pas là ici au service des lobbies, là. On est là au service de la population, des travailleurs. C'est ça, notre job. Moi, M. le Président, là, des refus comme celui-là ce soir, là, les 2 de suite, là, sur l'article 33 puis sur l'application de la loi, là. Ça me décourage, la politique. J'ai l'impression que j'ai l'impression que des fois, on fait les choses pas pour les bonnes raisons. Puis on devrait être ici. On devrait être ici pour notre monde. Puis on a collaboré. On allait collaborer tout au long. Les 3 consultations, on était là. On a collaboré avec le projet de loi, déposé dernière minute, quasiment fait par exprès. Dernière minute. On a dit, OK, c'est vrai que c'est dernière minute, mais on trouve que c'est important. On va collaborer pour pouvoir rentrer dans le temps. On l'avait examiné. C'était pas complètement à notre goût. On avait des amendements, mais on disait, regarde, c'est une base travaillable. Puis là, on nous arrive hier
avec un lapin sorti du chapeau qui vient tout défaire ce qu'on s'était dit. Puis en plus, on refuse ce soir d'appliquer tout de suite les amendements qui concernent les outils pour faire appliquer la loi. C'est dommage d'en arriver là. Il me reste combien de temps? Sept minutes. C'est dommage d'en arriver là, M. le Président. Puis je pense que je vais toutes les prendre, mes sept minutes. Les remarques finales. Je pense que je vais toutes les prendre, mes sept minutes. Parce que ça vaut la peine de dénoncer ce qui est en train de se passer. On a des gens qui ont été patients, des gens qui ont espéré avec l'ancien ministre, député de Marguerite Bourgeois, qui a dit en partant, « Hubert, c'est illégal, c'est clair. » Je lis la loi, puis c'est évident, là, même le juge l'a jugé. « Hein? Hubert, c'est illégal. » Député de Marguerite Bourgeois a dit ça en partant. On était tous d'accord. Je me rappelle la première fois qu'on a reçu les gens d'Hubert, là, l'arrogance totale. Le député de Marguerite Bourgeois a été tassé. On a cru pendant un temps que c'était à cause d'Hubert, parce qu'il y avait eu la rencontre, le comité machin des jeunes libéraux qui avait pris des résolutions, puis un petit peu plus tard, on a cru pendant un temps que c'était ça, parce qu'on a vu que le premier ministre, lui, avait de l'air bien entiché. D'une multinationale étrangère qui ne paye pas ses taxes. C'est assez spécial, ça, comme premier ministre, je peux vous le dire. D'être entiché d'une multinationale étrangère qui ne paye pas ses taxes au Québec. Je ne sais pas si un jour il va oser dire qu'il veut combattre l'évasion fiscale, là, mais moi, je vais avoir bien de la misère à le croire, je peux vous le dire. On recommence. On recommence à zéro avec un nouveau ministre. On reçoit les gens du bar. Une deuxième fois, le ministre actuel déclare tout de suite, c'est illégal. Ben, c'est évident, c'est écrit dans la loi, jugé par le juge Cournoyer, c'est illégal, c'est illégal. Mais encore là, on n'applique pas la loi. Fait que là, on s'est dit, M. le Président, l'autre qui vient d'être tassé, il n'a sûrement pas été tassé pour Hubert, parce que si le premier ministre avait fait ça, en tout cas, il est bien mal barré de se retrouver avec un autre ministre qui est contre Hubert. Mais on a compris avec l'histoire du MTQ, c'était probablement pour d'autres choses que le député de Marguerite Bourgeois a été tassé. Mais encore de l'espoir qui avait été créé par le nouveau ministre des Transports. Donner comme ça de l'espoir aux gens puis pas livrer, là, ça marche pas. On joue pas avec l'espoir des gens, on joue pas avec le travail des gens, on joue pas avec la vie des gens. Ça se fait pas, ça, en politique. En fait, M. le Président, je ne devrais pas dire « ça se fait pas » parce que ça se fait, malheureusement. Je devrais dire « ça ne devrait pas se faire ». Ça ne devrait pas se faire. On n'est pas là pour ça, on est là pour le monde. Le chauffeur de taxi, là, on pouvait bien dire « l'industrie, fallait qu'elle se modernise » puis tout ça. Ben oui, puis l'industrie s'est modernisée avant Hubert, s'est modernisée pendant Hubert, puis il faut encore qu'elle se modernise, c'est normal, c'est comme n'importe quelle autre industrie. Mais les chauffeurs de taxi, là, plusieurs d'entre eux viennent d'ailleurs, M. le Président. Plusieurs d'entre eux ont décidé de venir au Québec, de venir s'établir au Québec. Plusieurs d'entre eux avec bien des diplômes. Mais pas toujours facile de faire reconnaître ces diplômes au Québec, M. le Président. Ça, c'est quelque chose qu'on aura à changer. Pas toujours facile de faire reconnaître ces diplômes. Fait que souvent, ils ont décidé de s'acheter un travail. Parce qu'au Québec, à tort ou à raison, ça a été décidé bien avant nous. Ça, je ne sais pas en quelle année ça a été décidé, je ne suis même pas sûre si je suis née, mais ça a été décidé bien avant nous qu'il y aurait la gestion de l'offre. Et ils ont dit, nous autres, on va s'acheter un travail, on va s'acheter un permis de taxi. Puis là, depuis 2 ans, là, ben, le gouvernement ne fait pas sa job de faire appliquer sa loi. C'est juste ça qu'ils demandent. Et les chauffeurs de taxi, qui pourtant là, font pas des gros salaires, ne demandent rien de plus que de faire appliquer la loi. Pas compliqué, ça.
Avez-vous vu d'autres groupes dans la société qui ne revendiquent pas des augmentations de salaire ou des meilleures conditions? En général, c'est toujours ça. Les autres, c'est pas ça qu'ils revendiquent, là. Ils revendiquent juste qu'on applique la loi. Et là, là, ce soir, là, nous, tout ce qu'on demande, c'est de donner des outils supplémentaires pour appliquer la loi. Puis le ministre nous dit non. Il veut même pas faire sa job. Moi, là, je trouve ça décourageant. Ça fait 2 ans que le gouvernement libéral, à travers les 2 ministres, ne fait pas sa job d'appliquer la loi sur le transport du taxi. Parce qu'il y en a des outils dans cette loi-là, puis c'est clairement illégal. Ça a été jugé, ça a été dit, puis c'est évident en lisant la loi. N'importe qui lit la loi, qui prend un peu de temps pour bien la maîtriser, c'est évident que c'est illégal. Donc, j'aimerais ça que le ministre, dans un dernier sursaut de... générosité, bonne volonté, de justice, d'écoute pour les chauffeurs du taxi, accepte minimalement cette demande-là. C'est juste de faire appliquer la loi. Si le ministre veut même pas faire appliquer la loi maintenant pour le taxi légal, je dois vous avouer, Monsieur le Président, que ça augure bien, bien mal pour le projet pilote. Il va avoir quoi là-dedans? Il est même pas prêt à faire appliquer la loi maintenant. Moi, Monsieur le Président, j'essaie de trouver des compromis. J'essaie de collaborer pour qu'on puisse arriver à l'adoption d'une loi qui permette de respecter les principes qu'on s'est donnés. On a fait un super bon travail hier, jusqu'à temps que le lapin sorte du chapeau. On a fait un super bon travail jusqu'à vers quoi, 5h30? Le lapin est sorti du chapeau. On a dit, OK, on va le tasser un petit peu, ce lapin-là, se donner du temps. On a continué à faire un bon travail jusqu'à 6h, on a collaboré. Puis quand on a vu vraiment qu'est-ce qu'il y avait dans le lapin, là, ouf. Ouf. En fait, c'était pas un lapin. C'était déguisé en lapin. Je demanderai au ministre d'accepter cet amendement-là, de minimalement faire en sorte de donner des outils supplémentaires pour que la loi du taxi puisse être appliquée dès maintenant et de ne pas laisser encore 3 mois la situation pourrir dans l'industrie du taxi par une entreprise multinationale étrangère qui ne paye pas ses taxes, qui ne paye pas ses impôts et qui ne respecte pas les lois.